Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode de Lone Moving Simulator. Et aujourd'hui, on va faire cette mission-là, donc on va pas trop traîner, parce que 1330 boules, je pense qu'il y en a pour un moment, donc hauteur 6 à 7. Large au plateur, ouais, on s'en fout, machin, donc 6 à 7, on a dit, ok. On va reprendre notre fusée Ariane, et hop. Et on va bien voir ce que ça va nous donner. Donc là, il y en a pour un petit moment, je pense. Mais bon, celle-ci avance quand même plutôt vite. Et tout dépend de la taille de l'herbe. Et j'ai pas regardé parce que je suis un gros sac. Il y a encore eu une mise à jour cette semaine du jeu d'un giga 2, une nouvelle fois. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils nous ont rajouté. J'ai pas lu le patch note. Donc on verra bien. On verra bien. Faut pas que j'oublie de tourner dans le bon sens. Sinon, l'herbe part sur les côtés comme ça. Et après, il faut ramasser. Et puis voilà, donc faut faire attention. Alors tu peux obtenir plus de vin en enlevant les publicités, donc ça on a vu 6 à 7, ok. Et on a, je ne sais pas, combien d'objets, 7. Donc c'est un parc à bourrin. C'est un parc à bourrin que nous avons à nettoyer. Alors je sais pas s'ils ont rajouté des maps du coup dans leur mage. Je ne sais pas du tout, il y en a un là, hop. Je sais pas s'ils ont rajouté des missions ou s'ils ont fait des corrections ou apporté quelques améliorations. Peut-être également. Donc faudra voir. Faudra voir si on repère quelque chose pendant qu'on tombe. Alors où c'est que c'est Roger? On en a deux. Il y en a un là. Hop. Hop. On est ça? Pas du tout. Alors, je pense que la poubelle là, elle va bien nous casser les pieds. Il y a de fortes chances. Alors, je sais pas si j'utiliserai vraiment la bonne technique de faire comme ça. Mais bon. Écoutez, j'en trouve. Il m'en manque deux. Et bien entendu, comme à chaque fois, je vais me retrouver avec un ou deux que je vais pas pouvoir avoir. Oui, comme d'habitude. À part s'il y a l'autre côté aussi à faire, peut-être. Non, je pense pas. Putain, ça comme d'habitude, hein, du... Bon. C'est pas fameux, tous ceux. Oui, il y a bien que là, hein. Oui, il y a que là. Ok, donc j'en ai zappé deux. Comme à mon habitude. On va faire le tour, gentiment. C'est vrai que les objets, et des fois, c'est pas forcément si facile que ça à retrouver. Parce que des fois, ils sont quand même... Alors, j'allais dire, les fois, c'est quand même bien caché. Alors, pas tant que ça. C'est plutôt que je suis quelqu'un qui ne voit absolument rien, même si c'est devant moi. Donc, du coup, j'ai tendance à tourner comme un con pendant 15 jours de temps, alors que c'est sous mes yeux. Et d'un seul coup, je trouve et je me dis, mais quel gros sac. C'est pas possible d'être aussi con. Là, vous voyez, j'ai passé deux fois à côté. C'est à peu près sûr. En fait, tant que l'icône ne s'affiche pas, j'ai tendance à faire l'aveugle, quoi. Donc je tourne, je me rapproche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Et le dernier, j'ai encore probablement dû passer encore à côté où on va bifurcailler comme ça, des fois qu'il s'affiche en passant. C'est terrible. Ah Dieu, mais il bouffe encore plus de puissance qu'avant, le con. J'entends mon PC qui soufflote. Je crois que je le nettoie d'ici peu de temps parce que ça fait un moment déjà. Ok, c'est reparti. Alors, on met en branle. C'était quoi la hauteur? 6 à 7. Donc ça fait 6,30. On met... je ne sais plus c'est quoi. T. Bien, mon banou. Très très bon ça. J'adore quand tu me fais ça. J'adore. Et on tourne dans ce sens-là pour pas en mettre partout. Du coup, A, W, et c'est type par Monseigneur. On va essayer de faire comme on peut, surtout. Ah, vous savez, mon talent naturel pour faire le tour des... Voilà, hein, j'ai déjà tapé, comme d'habitude. Non, mais arrête, tu me prends pour un con, je fais comment pour faire le tour? C'est comme d'habitude, ça. Moquerie. Du coup, pour 1330 boules, donc on va essayer... de faire ça au mieux pour gagner un maximum d'argent au plat, tu vois.
Et du coup là, bon, bien sûr, le tour reste toujours le plus difficile et apparemment il y a quand même une bonne hauteur, donc on en a pour un petit moment. Et bien on verra, ça se trouve on n'en fera qu'une. Il y a de fortes chances même, parce que 1330 boules, ouais, ça fait une mission. D'ailleurs quand on voit la gueule du terrain là pour un petit moment. Mais j'aime bien, moi. J'aime bien, ça fait un gros paquet de pognon d'un seul coup et puis au moins tu tournes. Enfin tu vois ce que tu fais quoi. Une fois que t'as fini. Une fois que t'as fini, tu vois que. Enfin tu vois ce que tu fais quoi, tout simplement. Alors, j'espère qu'ils considèrent pas ça comme des fleurs, sinon on est dans la merde. Ça devrait le faire. Ou 28, bah là ça a dû prendre tarif. Un petit peu, ça va. Bah, ici on a. Ici on a. Ok, donc du coup, ce soir on se retrouve pour du Gas Station Simulator, messieurs, dames. Moi je vous tourne la vidéo la veille, comme d'habitude, donc juste après le live de farming, qui s'était bien passé, où on a fait le lance-silage. Ça fait plaisir de faire un peu de multi à peu près normalement, parce que je vous avoue que bon, Chris et Mackey disent rarement quelque chose à ce niveau-là, mais pour vous donner un exemple, jeudi soir ils sont venus me filer un coup de main sur la partie, histoire de pouvoir arriver à faire l'ensilage hier soir. En fait, ce qui se passe, c'est que eux, ils ont la paille qui spawn pas. Donc, du coup, ils pressent dans le vide, en fait. Mais ils pressent quand même, ils arrivent à la presser, mais elle est invisible. Et du coup, ça le fait qu'en multi normal, ça le fait pas sur serveur. Enfin, en tout cas, ça le faisait pas sur serveur avant, donc voilà. Et il se trouve que quand on faisait l'ensilage, en fait, eux, ce qui se passait, c'est que. Ils voyaient pas le maïs dans le silo. Et. Bon, ils sont quand même cool à ce niveau-là, ils disent rien, ils sont bien gentils. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça doit être saoulant quand même. Et donc du coup, alors avant ça, ça ne vous est pas sur serveur, donc j'espère que ça va pas le faire, parce que je pense que ça rend un peu l'expérience de jeu assez casse-couille, d'autant plus que voilà, FS19, ce coup-là, ils ont fait une grosse pause et... Alors bon, il dit ça pour rigoler, mais je peux comprendre le fait que quand il balance, hein, putain, mais ça m'avait pas manqué. Effectivement, je peux être d'accord avec eux là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que j'espère que pour le prochain, ça fera pas ça, hein, parce que sérieusement, c'est un peu casse-couille. Et on est quand même 3 ans après, et même ce genre de choses n'a pas été réglé. Et du coup, ouais, ça casse un peu les pieds, quoi. Ça casse l'expérience de jeu, ça casse les couilles à tous ceux qui sont sur la partie. Parce que eux, ils pouvaient pas décharger l'ensilage où moi je pouvais le décharger, c'est-à-dire sur le côté du silo. Et des fois, ils voyaient pas l'ensilage qui était dans le silo. Enfin voilà, c'est tout un tas de bordel qui font que, au bout d'un moment, ça casse les couilles, quoi. Être gentil, mais faut pas jouer avec mes couilles, comme on dit. Et du coup, voilà. Mais bon, globalement, sinon, ça s'est bien passé. Et puis, bien sympa, j'ai bien aimé. Ça faisait longtemps également qu'on n'avait pas fait de densilage en multi, et donc c'était quand même bien cool. Et du coup la suite sera alors je vais essayer, je vous garantis pas le truc. Justement c'est là que j'en viens pour le programme de la semaine. Donc du coup voilà, ce soir on a Gas Station Simulator, demain on a Snow. Et donc du coup, ce qui m'amène à lundi, donc lundi on a le bilan de la série d'agriculture biologique, un petit bilan, vous savez, j'en fais globalement sur toutes les séries qu'on fait. Là en l'occurrence ça a été une grosse série, hein, 60, alors avec celui qui aura demain ça fera 69 épisodes après demain. Donc c'est quand même une grosse série, j'ai pas vraiment l'habitude d'en faire, donc en règle générale voilà, je parle de ça, de la map en règle générale, les bugs que j'ai pu rencontrer et autres. Comment ça s'est passé sur la map, ce que je pense de la map, etc., etc., ce que je pense de la série également, et puis voilà, donc un bilan quoi, en gros. Donc normalement lundi devrait y avoir le bilan, lundi soir on fait le live sur SnowRunner comme d'habitude. Mardi, ce qui va se passer, c'est que mardi il y aura deux vidéos, il y aura une de Powerwash où là on aura fini le carrousel, parce que comme je l'ai dit, j'ai avancé un peu hors ligne histoire de passer à la prochaine mission, parce que là comme vous le savez on arrive en fin d'année et il faut que j'avance, et en plus de ça, il y a une mise à jour sur le jeu, donc j'ai bien peur qu'il nous ait rajouté encore des missions, même si j'ai envie de dire tant mieux, hein. tant mieux. Et donc du coup, il faut que j'avance un petit peu quand même. Ah, je vais essayer de récupérer mon pointouille là, hop. Et du coup ça, donc il y aura du Powerwash, et l'après-midi ou le soir même, si je peux, il y aura une seconde vidéo, donc du coup ce sera sur Farming, ou
on fera une présentation de la dernière série de FS19 avant le prochain farming qui sortira le 22 novembre. Je le rappelle, bravo Maurice, j'ai pas été foutu de régler ma vitesse avec mon joystick, avec ma manette. Donc j'ai bourré. Donc voilà un petit peu pour mardi. Comme j'ai dit, je garantirai il y aura deux sur une vidéo, ça c'est sûr. Deux, je ne sais pas, mais je vais essayer de faire court pour la présentation de la prochaine série, histoire que voilà, comme j'ai dit, nous on puisse commencer pépère. Et comme j'aurais encore répété hier soir après live, pas de forcing sur il faut qu'on avance, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. C'est vous jouez quand vous en avez envie, vous forcez pas. Si je vous saoule, vous arrêtez de vous forcer parce que voilà, vous allez déjà être furax avant l'arrivée du prochain et c'est pas la peine. Donc ils jouent quand ils ont envie. Moi je vous avoue que voilà, là ces derniers temps j'ai quand même bouffé pas mal de farming hors ligne. Donc le début de cette dernière série se fera préparément, j'ai envie de dire, histoire de souffler un petit peu et justement de pas me faire un coup de soulement avant le prochain farming, histoire de rester dans le bon truc et pas dire juste avant le prochain farming ça m'a gavé, voilà, là je suis en saturation, va chier farming et voilà. Donc voilà, comme j'aurais dit, et c'est ce que je pense actuellement, c'est on joue quand on en a envie, rien de presse, on a les 2 mois tranquille pour finir cette dernière série, enfin pour finir cette dernière série sur ce FS19 et du coup on y va tranquillement sans bourrer et quand on a envie, voilà. Du coup voilà, donc ça c'est pour mardi. Mercredi dans la journée il y aura du, je réfléchis, il y aura du Car Mécanique Simulator, puisque mercredi soir il y aura du Bus Simulator 21. Donc voilà, ça c'est pour mercredi. Chutty, je suis encore pas décidé. Chutty, je pense qu'on va faire du Gas Station Simulator, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Vendredi, on fera du Bus Simulator 21. Vendredi soir, on fait du farming sur la nouvelle série. Et samedi, bah, du load moving, comme d'habitude. Et samedi soir, du Car Mécanique Simulator. Et puis voilà. Et puis dimanche du snow comme d'habitude. Donc voilà un peu le programme de la semaine. On reste vraiment dans du classique. Ce qui change, c'est juste qu'il y ait probablement 2 vidéos mardi, même si comme je l'ai dit, il n'y a rien de sûr à 100%. Ça dépend du temps que j'ai pour tourner, parce que cette semaine je voulais à tout prix scier du bois IRL. Parce que oui, c'est vrai que je parle de ça, mais je dis toujours suivant le temps que j'ai, parce que ça dépend de mon boulot IRL. Hein. Il y a des moments où il y aura peut-être, alors pas, je vais pas dire moins de boulot parce qu'il y a toujours du boulot sur une exploitation, mais tu vois, quand il pleut à saut, disons que je vais pas aller me faire rincer la gueule, il y a bien d'autres jours pour aller travailler sans se faire rincer le cul. Donc ça dépend du temps de la semaine, ça dépend de ce qu'on a à faire là actuellement. Enfin la semaine dernière, cette semaine là je voulais essayer du bois, j'ai pas eu une minute, j'ai pas même pas eu le temps de le faire parce que j'ai eu maintenant il est pas en surchauffe, arrête d'être con. Il a fallu, qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine au tout début lundi, je me rappelle plus. Enfin en tout cas voilà, bref, pour résumer sans dire tel jour ou tel jour parce que je n'ai aucune idée, je me rappelle plus. J'ai fini de barrer pour mes blanches, j'ai barré pour les rouges. Donc en plus, pour enfiler les piquets, je vous explique pas, c'est dur comme du chien, faut prendre la barre à mine, et puis pour les piquets en plastique faut prendre un marteau. Donc ça, j'ai taillé la haie chez mon père, il a fallu que je fasse l'élagage aussi. Donc ça, je sais plus quel jour c'était, mais peu importe. Il a fallu que j'aille chercher des boulons de charrue. Parce que oui, mes contre-cèpes, on n'avait pas les bons boulons quand on les a eus, vous savez. Je vous avais raconté, pour les contre-cèpes qu'on avait commandés, ils nous avaient pas commandé les bons. Et le coup d'après, ils nous avaient commandé les bons, mais il n'y avait pas les bons boulons. Donc on avait mis les boulons quand même, j'ai dit tant pis, chasse, hein, je retourne pas là-haut, il y a une plus d'une heure de route. Et du coup je suis allé rechercher les autres boulons de charrue, plus une pièce parce que j'ai un petit souci sur le SAM. J'ai passé la marche avant et la marche arrière, donc l'inverseur. Il y a des fois l'inverseur il saute quand je passe la marche arrière, enfin c'est pas des fois, c'est assez souvent.
Et du coup, j'ai voulu absolument finir les bottes comme ça parce que je me suis dit, c'est encore une connerie. Enfin, c'est pas gros la pièce, mais je me suis dit, c'est encore une connerie. Puis que je suis arrête, j'ai plus de chargeur. Donc, du coup, j'ai rentré les bottes comme ça. Mais ça dépend comme il est décidé. Il y a des fois où il va tout seul. Il y a des fois où la marche arrière elle saute, c'est sans arrêt. Tu peux pas la passer. T'as l'impression que. Comment vous expliquer? Que la fourchette passe à côté du cran. Et du coup, ça passe pas la marche arrière. Et t'es pendu en poids mort ou en marche avant. Et du coup, c'est un peu chiant. Mais bon, j'ai tenu à finir les bottes quand même. Et puis j'avais un peu de chargeur à faire depuis. Donc. Mais ça dépend du moment comme il est tourné. Donc du coup j'ai commencé à démonter, j'ai regardé. Je suis allé voir un mécano, puis on est en train de regarder pour récupérer les pièces. J'en avais déjà changé une. Mais en fait il se trouve que c'était pas celle-là. Enfin, elle était usée celle-là, mais bon. Il se trouve que c'était l'ensemble qui était usé. Là c'est un inverseur mécanique que j'ai. Et le truc a quand même 13 000 heures aujourd'hui. Donc c'est d'origine et donc du coup bah voilà hein, ça s'use et puis voilà bon c'est rien de grave hein, ça se change c'est facile enfin, je dis c'est facile parce que je démonte et je vois après moi je suis assez curieux sur ce qui est mécanique hein, quand tu sais que les mécanos travaillent à plus de 55 euros de l'heure en tout cas 55 euros de l'heure ben tu réfléchis puis tu essaies de faire un peu tout seul donc j'essaie de faire un maximum tout seul puis ça c'est pas très compliqué à démonter. Du coup, je l'ai fait, je commandais la pièce pour voir. Enfin, je veux déjà savoir le prix de la pièce parce qu'il y a une pièce qui est usinée assez bizarrement et j'ai bien peur que ça coûte cher. Enfin, c'est même pas la pièce en entière, c'est un bout de pièce qui, je pense, doit coûter assez bonbon. Donc, on verra bien. Je suis après, j'ai fait ça aussi. Qu'est-ce que j'ai branlé d'autre cette semaine? J'ai filé un coup de main jugé au jardin. Bon, ça, c'est rien de bien violent, mais c'est au jardin chez moi en fait. Parce qu'on a fait un gros jardin où chez ma grand-mère en fait. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai bougé des genisses aussi. Enfin, voilà tout un tas de conneries qui font que t'arrêtes pas vraiment. Et en fin de compte, je voulais essayer du bois, j'ai pas pu en foutre aussi un bout. Donc bon. Pas grave, donc j'espère le faire la semaine pro, tout dépend du temps. Et comme j'ai dit, bah s'il pleut. Ah si, il a fallu mener de l'eau aussi. Parce que. Alors je pense que ça doit être les genisses. Là, je vais accuser personne parce que ça doit être les genisses. Ils ont réussi à passer leur tête et à bouger le robinet flotteur, ce qui fait que la cuve s'est vidée. Et comme je suis pas toujours là-bas, hein, j'y vais deux fois par semaine, mais je suis pas tout le temps là-bas. Bah voilà. Donc 16 000 litres quand le robinet flotteur coule tout le temps, bah, ça se vide vite. Et encore, il n'y avait pas 16 000 dedans, il devait rester 9 000 conneries pareil. Donc il fallait mener de l'eau. J'ai refait un caisson exprès cette fois-ci pour pas qu'elle puisse repasser. Le gros nez. Et du coup, voilà. Enfin bref, tout un tas de conneries qui font que. Du coup, cette semaine, je crois qu'en début de semaine, ils n'annoncent pas du trop beau temps. Donc on verra bien. Normalement, je devrais avoir le temps de tourner tout ça. Et puis, ça devrait bien se passer aussi. Mais comme je le dis souvent, ça dépend de ce que je fais la semaine. Parce que je peux pas le deviner, en fait, comme dit mon père, bah, le matin on finit très, on boit le café et après, comme il dit souvent, je jette mon chapeau et ça dépend de quel côté il va tomber. Et c'est comme ça qu'il décide ce qu'il va faire. C'est une façon de parler, hein, bien sûr, mais il y a des moments où on est en train de boire le café, on sait encore pas ce qu'on va faire dans la journée, quoi. Du coup, ça se décide sur le tas, comme le jour où j'ai taillé la haie et puis j'ai fait de l'élagage chez mon père. C'était pas du tout prévu qu'on fasse ça, quoi. Je suis allé voir. Ben c'est le matin où je suis allé voir mes genisses. On avait rempli la cuve et puis on allait voir quand même si tout se passait bien. D'ailleurs, j'ai bien fait d'y aller parce que je crois que c'est en live, je l'ai dit. J'ai le parc de mon ancien maître de stage qui est juste à côté d'une autre. En fait, j'avais une de ces genisses qui était pendue au cornadis. Et du coup j'ai bien fait d'y aller parce que j'ai pu la décoincer. Il a fallu que je démonte la cage encore. Pas tout, mais il a fallu que je démonte un morceau de la cage. Et du coup j'ai bien fait d'y aller. Donc j'avais fait ça en rentrant qui n'était pas du tout prévu. Donc vous savez, il y a des fois on décide de ce qu'on fait 5 minutes en avance et encore. Ça dépend de ce qu'on a envie. Mais là ce week-end mon père a la charrue. Il faut que je sème le couvert végétal du coup, ce que j'ai pas pu avant, et en plus de ça, on pouvait pas en piquer la charrue parce que c'était tout sec.
Incroyable. C'était le bordel. Bon, c'est guère plus mouillé, mais il a tombé 2 x 3 mm. Plus un autre coup, il a tombé 4. Enfin voilà, 2-3 petites conneries, mais ça suffit. Et encore, mais ça suffit pas, j'ai pas le choix, faut que je le fasse. On est déjà en retard à ce coup-là. Et du coup, une fois qu'on aura fait ça, bah, je pense qu'il y aura l'ensilage chez nos amis du village d'à côté. Puis après, bah, charrue pour l'orge, et puis pour le blé, et puis comme d'habitude, pour le triticale aussi. Et puis voilà. Donc du coup, bah, quand il a la charrue, on peut pas monter les deux sur le même tagazou. Hein, donc moi, je fais autre chose, et du coup, c'est là que je comptais s'il y a du bois. Parce que j'ai 3 maisons à chauffer, du coup. Bah, mon père, du coup, nous, et puis celle de ma grand-mère, qu'on laisse pas. Hein, on va pas la laisser pourrir. On est les seuls à s'en occuper dans la famille, j'ai envie de dire. Les seuls avec ma tante. Et je vais pas demander à ma tante et mon oncle de scier du bois. Donc voilà, on s'en occupe et puis je me démerde. Et puis, bah, voilà. Enfin, voilà, disons que je suis dans un moment. Le bois, c'est ce que je dis souvent. Hein, le bois, c'est toujours. Faut que ça tombe quand j'en ai envie. Si ça tombe quand j'en ai pas envie, je le fais pas. Et là, en fait, ça tombe dans un moment où j'ai envie. J'ai une machine que j'ai achetée cette année et j'ai encore pas fait mirara avec. Hein, j'ai envie de dire, j'ai fait bah, les lagages là, cette semaine et puis j'ai dû scier 2 3 conneries avec comme ça, mais j'ai pas lancé. Je me suis pas lancé sur un gros chantier avec. J'ai bien une scie à ruban, mais scier à scie à ruban tout seul, ça me tente pas vraiment. Parce que je trouve ça toujours plus. Bah déjà, c'est beaucoup plus rapide à deux, parce que t'en as un qui te passe le bois et l'autre qui scie. Si je l'ai fait, hein, je l'ai fait avec mon oncle, je l'ai fait avec mes deux oncles, enfin, je l'ai fait tout seul, ça a déjà dû m'arriver, mais je l'ai fait avec mon père, mais disons que si tout seul, ça me casse un peu les pieds avec la scie à ruban. Je préfère la tronçonneuse quand je suis tout seul. Je préfère la tronçonneuse. Et mon père aime bien cette place-là, donc je vais pas piquer la place de mon père à la scie à ruban. Donc je pense que je vais beaucoup. Enfin, je pense que je vais quand même beaucoup plus vite. Propre. Je vais beaucoup plus vite à la tronçonneuse pour scier quand je suis tout seul qu'à la scie à ruban. Comme j'ai dit, j'ai quand même envie de la lancer un coup sur un gros chantier. Et pas faire que du. Que de la petite saloperie comme ça. Parce qu'en fait, finalement, de l'abattage, j'en fais plus. Je prends plus des. En fait, je prends plus des portions de bois parce que j'ai une chier de bois partout dans les champs. Et du coup, après, c'est pas la peine que je m'amuse à faire tout le bois autour des champs, plus le bois de la coupe, tout ça pour le laisser pourrir quand il sera en tas. Donc autant que je prenne pas de portions, comme ça, c'est toujours ça qu'on ne paye pas. Et que je me concentre sur ce qu'on a déjà avant de rattaquer à faire des portions. Donc tout ce qu'abattage, je vais pas en faire cette année, ni récupérer, j'ai envie de dire, ce qui vient de tomber par terre. Alors mis à part ceux qui sont les plus urgents, parce que justement j'ai encore un tas de bois, un deux tas de bois, voire même trois, je crois bien. Donc c'est pas la peine de le laisser pourrir, ça sert à rien. Autant le scier et puis après en refaire plutôt que. Voilà, cette technique dans le sens où avant on faisait du bois, on en vendait et tu savais jamais comment ça allait finir à la fin de l'année, si il allait t'en rester ou pas, c'est fini puisqu'on n'en fait plus pour les gens. Enfin, mis à part pour vraiment filer un coup de main ou vraiment si les gens sont coincés, comme mon meilleur ami, il en a trouvé du coup, mais l'année dernière mon meilleur ami voulait m'en acheter 15 stars, je crois. Et du coup voilà, c'est vraiment si c'est coincé, mais sinon j'en fais plus, c'est terminé. C'est un marché, ce genre de truc là, qui est un peu comme tout le reste, j'ai envie de dire, qui te coûte cher mais qui te rapporte peu. Il te rapporte de l'argent en fait si tu fais pas de casse. C'est-à-dire que tu vas, j'en sais rien, moi, tu coupes, t'es un problème ou pas avec la chaîne, je compte pas la chaîne ni quoi que ce soit parce que c'est pas un truc très onéreux. Même si c'est pas donné, ah, tu vas fendre, tu t'éclates un pneu, faut que tu changes de train de pneu, bah voilà, ça y est, t'as déjà bouffé la commission et t'as encore bouffé plus par-dessus. Éclate un pneu, ça va très vite, mis à part si tu montais ta gazou en pneu forestier, mais bon, moi en l'occurrence, c'est pas mon cas, étant donné qu'ils vont aussi bien dans les champs que dans les bois, donc tu fais attention, et puis voilà, mais ça arrive très vite, hein, mon père allait faire les lignes de chasse, il y a de ça, je te pense, c'était il y a 2 ans, je crois. Portable a sonné, il a fallu que j'aille chercher monsieur parce qu'il a éclaté.
Il sait toujours pas comment c'est possible d'ailleurs. C'est bien ça le problème en fait. C'est bien ça le problème. J'ai dit mais t'as touché, c'est pas possible. Vu la patate qu'il y avait dans le pneu, il me dit écoute, je comprends pas. Je sais pas comment c'est possible. Et j'ai jamais trop cherché à comprendre parce que de toute façon c'est lui qui paye. Parce que c'est son trésor et c'est son exploitation. Mais j'ai quand même essayé de chercher à comprendre pourquoi et il n'a pas été foutu de me l'expliquer parce que ça ne servait à rien. Donc ouais, les pneus agricoles c'est beaucoup plus tendre que les pneus forestiers et du coup il suffit voilà d'éclater un pneu et soit tu retrouves une occasion, soit tu changes de train de pneu directement et du coup là t'as bouffé largement la commission parce que le bois, le fait qu'il se soit cassé la gueule parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui se chauffe au bois. Il y a l'augmentation de l'essence, l'huile a dû augmenter, hein. C'est vrai que j'ai pas trop regardé le prix de l'huile de mélange, mais ça a pas dû baisser. T'as de l'huile pour la chaîne. Du coup après t'as le tagazou, hein, tout ce qui est fuel, pièces d'usure, fendeuse, etc. etc. en priant de ne rien casser. Et après pour les gens qui veulent du bois, bah, t'as la scie. La scie à ruban, j'ai refait le moulin il y a 3 ans. Oula, t'excites pas. La scie à ruban, j'ai refait le moulin il y a 3 ans, il n'était pas donné, malgré que. C'est pas un truc qui est énorme, quoi. Donc ouais, je pense que c'est encore un marché, ce genre de truc-là, où. Si tu casses pas, il y a peut-être moyen, et encore, faut que le marchand de bois te le prenne au prix qu'il faut. Hein. Ça, tu peux jamais le savoir en avance, ça dépend de l'offre et de la demande. Hein. Et ça dépend du temps, surtout. Hein. S'il fait froid pendant. Ça, moi, s'il fait froid à partir du mois de novembre et puis que ça dure jusqu'au mois de mars, bah là, ça vaut quand même un peu le coup, peut-être. Mais s'il commence de faire froid seulement au 15 décembre et puis qu'au mois de février, tu te promènes déjà presque en t-shirt, bah c'est foutu, quoi. Donc voilà, c'est un truc que je fais plus, c'est fini, ça. Parce que déjà bien assez de boulot sur l'exploitation sans faire encore en plus du bois et puis. Enfin voilà, il arrive un moment où faut savoir trier. Hein. Moi j'ai un dos de merde, mon père vieillit. Disons que je tiens encore à pouvoir me baisser, à me relever sans crisper et serrer les dents parce que j'ai du mal, quoi. Mais je crois que la plus grosse année que j'ai fait, alors c'était des îlots. Je ne sais plus pourquoi, à la place de faire des portions, ils ont fait des îlots. Je ne sais plus comment ça s'est passé. En fait, non, c'était des portions, mais le truc, c'est qu'elles étaient aussi grosses que des lots. Et en fait, cette année-là, donc je le faisais pour moi. Alors, pour moi. Pour mon père, du coup. Je dis pour moi parce que voilà, j'ai l'habitude de causer comme ça. Mais. Donc, je le faisais pour mon père, avec mon père. Je faisais celle de ma grand-mère. Donc, ça fait deux. Je faisais celle de mon grand-père, mais du côté de ma mère, ça faisait trois. En fait, je crois pas que mon grand-père la prenait, mais il nous l'a donné déjà à ce moment-là. Ce qui chauffe au feu. Donc ça fait 3 quand même, peu importe. Je faisais celle de ma tante et de mon oncle, ça fait 4. Et mon pote qui est dans les espaces verts, je sais pas pourquoi j'ai dit oui, et ça c'est de ma faute, hein. C'est vraiment ma connerie à moi, c'est moi qui ai dit oui. Il m'a demandé si je pouvais la faire, sauf que lui, il en avait deux. Donc du coup je me suis retrouvé à 6 et j'ai dit oui comme un abruti et on a sorti entre je me rappelle plus trop le chiffre exact mais entre 350 et 400 stères et c'est à partir de cette année-là où j'ai dit c'est bon ça y est, ça m'a saoulé, ça m'a calmé, je stoppe là, c'est plus possible, trop trop c'est trop. Alors du coup je me suis mis à, alors je le faisais quand même pour mon pote puisque j'avais dit oui, donc du coup je m'en tapais toujours deux, en fait je me tapais toujours les mêmes. Donc toujours les 6, en fin de compte. Mais c'était suivant ce qu'il y avait, tu vois. C'est-à-dire que mon oncle, j'ai jamais demandé de venir m'aider pour faire la sienne. Et cette année-là, où on en a sorti entre 350 et 400 stars, il est venu m'aider. Parce que je vais mourir dans le truc, moi. Hein. J'ai commencé tout seul parce que mon père faisait je sais plus quoi dans les champs, à ce moment-là. En fait, j'ai passé mon année au bois cette année-là. Peut-être pas mon année, mais. Disons que j'ai fait les foins, sitôt qu'on a arrêté les foins, j'ai commencé le bois, j'ai pas arrêté. J'allais au bois tous les jours.
Et du coup, il est arrivé un moment je me fatiguais. Donc j'ai eu un peu d'aide. Mon oncle, en fait, il venait, il ramassait, il faisait des, enfin, il faisait des tas. Donc il empilait vite fait les bouts d'un mètre que je faisais et rejetait les fagots. Alors que j'ai appris bien plus tard que maintenant, on n'était plus obligé de les ramasser pour faire des tas de rennes 2 mètres sur 2 mètres, là. Donc en gros, tout ce que lui, il faisait, c'était ce que moi, j'avais pas à faire. Donc en gros, j'achetais plus la tronçonneuse, quoi. Ah si, si quand j'avais vraiment trop d'avance, je posais le bordel, j'allais l'aider, mais sinon je lâchais la tronçonneuse que quand il y avait besoin de refaire le plein. Donc ouais, cette année-là, et puis c'est voilà, à partir de cette année-là, j'ai dit je regarde avant de prendre les portions à tout le monde. Parce que si on se retrouve avec les mêmes conneries, je recommence pas ce bordel-là, je suis pas bûcheron. Et puis voilà, comme j'ai dit, j'ai un dos de merde. Et puis jusqu'au moment où la première année, j'ai eu un arrêt. Enfin, la première année, il y a 4 ans, j'ai eu un arrêt de travail pour un lumbago. L'année d'après, j'ai eu un lumbago, j'ai pas demandé d'arrêt de travail. La troisième année, donc là c'était il y a 2 ans, je me suis déplacé de vertèbre. J'ai dit au bout d'un moment, ça suffit pour arrêter les conneries. Et puis. Et puis voilà quoi. Donc du coup c'est pour ça que le bois c'est loin derrière. Mais il y a toujours autant de boulot. Hein. Maintenant que j'arrête de prendre du bois à la coupe, il en descend partout dans les champs. Donc il y a toujours de quoi faire. Et puis le défrichage où justement j'ai pas de. Comment ça s'appelle? Oh putain. Des pareuses, parce que justement le bois on le récupère, donc je vais pas passer les pareuses de bordel. Donc du coup il y a toujours du taf. Hein. Puis cette année il y en a eu assez puisque j'ai fait 200 bottes de plus de fourrage. Donc 200 bottes de plus, mon père a cassé deux fois la presse, deux fois la même panne. Deux fois pour une connerie en plastique avec une goupille et il te faut une éternité pour démonter. Alors mon père, et il redoutait tellement le moment, il a compté les boulons, il y a 72 boulons à démonter. Donc 72 à démonter, 72 à remonter. Hein, et ça te fait 144 et tu fais x2 puisque je l'ai fait deux fois plus les lames du pick-up à enlever, et ça c'est un peu le bordel à les enlever, donc voilà, bref, peu importe. Donc plus la mécanique qu'on fait un peu plus maintenant et qu'on faisait pas avant, donc ouais, il y a encore assez, largement assez de boulot pour deux, mais bah ouais, il arrive un moment où tu apprends à dire ça suffit et tu te calmes et tu réfléchis un peu, parce que bah disons que les moments où quand j'étais jeune, on va dire, ah, je suis pas vieux, mais où quand j'étais beaucoup plus jeune, du genre fallait venir me chercher au champ si tu voulais que j'arrête, parce qu'autrement je tournais toute la nuit sans m'arrêter, c'est fini, tu vois. Maintenant aujourd'hui, déjà aujourd'hui c'est plus moi qui vais dans les champs à l'heure de traire, c'est mon père, alors comment c'était moi. Parce que maintenant j'aime autant les vaches plutôt que de me faire chier dans les champs. Mais maintenant voilà, à l'heure, mis à part si c'est présent parce que le lendemain il pleut, puis on est en plein foin où il faut ramasser les bottes. Dans ce cas-là, oui, mais sinon, demain il va faire jour, on fait demain, puis c'est tout. Hein. Pas me casser la tête avec ça. En sachant que c'est comme j'ai expliqué à un ami tout à l'heure, je l'ai vu. Le matin je me lève, si je traie 1000 litres de lait dans la journée ou en deux jours, peu importe, ben voilà, disons que je traie 1000 litres de lait dans la journée, le matin je me lève en sachant que le soir quand je vais me coucher il y aura que 520 litres sur 1000 litres qui seront à moi, et il y en aura 480 litres à la MSA parce qu'on est taxé à 48%. Et alors faut pas trop se le dire ça parce que ça te décourage de travailler, mais voilà, c'est la vérité, sur 1000 litres de lait, il n'y en a que 520 litres qui sont à toi. Et disons que plus tu fais de chiffres, plus tu essaies d'en faire, en tout cas du chiffre, et plus tu vas en redonner. Donc ça sert à rien d'en faire deux fois trop, parce que justement tu vas leur donner. Tu vas leur donner à des parasites qui foutent rien de leur journée. Alors je dis ça, mais il y en a quand même une bonne partie qui travaille, enfin en tout cas j'espère, parce qu'autrement, voilà. Mais t'en as quand même dans le tas, c'est des putains de parasites qui ne foutent rien de leur journée, et du coup eux ils te taxent et ils sont payés à taxer, voilà. Et ça, disons que c'est un peu agaçant, quoi. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment t'apprends
Disons que tu te dis dans ta tête, j'arrête mes conneries et je travaille un peu plus intelligemment, plutôt que de faire des heures et qu'au final, bah, tu te fasses taxer encore plus, quoi. C'est un peu cucu. Alors, c'est un peu cucu de partir dans cet état d'esprit-là, parce que moi, faire des heures en agri, j'adore ça, hein, c'est pas le problème. Mais je pense à plusieurs choses, c'est-à-dire que j'ai bien compris le système français, hein, si tu veux gagner le plus, ben en gros, il faudrait rien foutre. Et là, c'est pas une question de rien foutre, mais c'est d'être, comme j'ai dit, un peu plus intelligent. Encore, tu travaillerais pour gagner ce que, enfin, pour gagner ton dur labeur, j'ai envie de dire. Là, voilà, ça me dérange pas de faire des heures autant qu'il faut, je m'en fous. Mais quand tu travailles pour en payer la moitié à la MSA, puis après tu te fais encore taxer sur tes revenus par les impôts, bah ça calme, quoi. Donc un peu marre au bout d'un moment. Hein. Et donc du coup, voilà, t'as déjà ce truc-là. Il y a aussi le fait que maintenant, bah, j'ai une petite fille. Hein. J'ai une madame qui, malgré, fait beaucoup d'idioties en live, en vidéo, avec vous. Et je suis très content d'avoir une madame comme ça, plutôt que d'avoir une madame toujours sérieuse qui me casserait les pieds, qui veut quand même que je sois un peu là, hein, c'est un peu normal. Donc ça, bah, je pense à mon dos, hein, du coup, ce qui est normal. Et puis voilà, beaucoup de petites raisons comme ça qui font que, alors, au bout d'un moment, tu te calmes et puis c'est fini. J'ai un quelqu'un avec qui j'étais à l'AMF. Qui est resté dans ce système-là du genre il avait un taf avant où travaillait pour un entrepreneur, le mec rentrait de chez l'entrepreneur, il repartait sur les tagazous jusqu'à 4h du matin, puis le lendemain il se relevait. Il est resté dans ce système-là même encore aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il a une nana, il a une fille ou un garçon, j'en sais même rien. Alors, en tout cas, il a un enfant, il a une nana. Ça n'a pas changé. Hein. Bon, là, maintenant, il est installé, mais ça n'a pas changé. Hein. Il va aller mener du fumier jusqu'à 5h du matin. Et il est content. Après, ça lui plaît. La ferraille, il plaît. Ça, je le savais déjà. Il aime la ferraille, il aime les tracteurs, il aime le. Voilà, il aime le tagazou. Ce que je peux comprendre. Mais est-ce que ça va durer bien des années avant que madame lui dise soit tu te calmes et puis tu vas venir un peu vers ton enfant et moi? Ou soit ben, je vais prendre mes clics et mes claques et je me sauve. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais c'est système Macron. Hein. C'est comment qui dit dodo, boulot, gastro? Non, il y a dodo et boulot dans le truc que je me rappelle plus. Et c'est un peu ce système-là, et ça, enfin voilà, disons que j'étais comme ça avant, mais j'ai vite fait de me calmer avec ça et d'arrêter de faire le con à ce niveau-là. Même si, s'il y en a parmi vous qui sont de ce système-là, où des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, je comprends tout à fait, hein, je suis passé par là, j'ai aimé ça, faire comme ça, mais aujourd'hui, bah, j'aime beaucoup moins ça, quoi. J'aime beaucoup moins ça, pas forcément pas. Par choix, mais je m'obligerais limite à pas y aller, à pas rembrayer le soir après traire. J'aime autant dire ça. Je m'obligerais plus à pas y retourner le soir après traire, justement pour pas me faire entuber par les impôts, etc. etc. Plutôt que d'y aller tête baissée comme je faisais avant, et puis tu te fais aligner le coin du nez à la fin de l'année, quoi. C'est triste. Je peux pas dire que ça fait feignant parce que je fais mes heures quand même. J'en fais même plus que 35, hein, voilà, pas en cacher. Hein. J'en fais plus que 35. En agriculture, c'est rare que tu sois bloqué à 35 heures. Mais j'en fais quand même moins que ce que je faisais avant. Comme je l'ai dit, mis à part si c'est pressant. Genre, voilà, comme cette année, j'ai rentré des bottes après traire parce que j'avais peur qu'il pleuve le lendemain alors qu'il n'y a pas tombé une goutte, mais enfin, peu importe. Ce genre de truc là, bah j'en sais rien, moi repartir au bot, partir randonner, partir enfin, voilà, tout ce genre de conneries là, vraiment pressant, ou même mener du fumier, ça m'est déjà arrivé de repartir. Mais mis à part pour ça, maintenant après la traite, je pose le bordel, bonne nuit, à demain, lieu, et puis voilà, ciao.
Donc ouais. Après, voilà, comme je vous dis, à chacun ses goûts, ses couleurs, mais j'ai appris à arrêter de faire ce genre d'idiotie. Mais voilà, pour faucher, moyen d'aller et puis de continuer après très ou même d'attaquer plus tôt. Mais vraiment pour des trucs utiles, voilà. Des choses qui peuvent attendre le lendemain, bah ça attend le lendemain. Hein. Ça attend le lendemain. Et puis de toute façon, si l'élan me vient en quelque sorte de dire, allez, après très, je repars faire ça un petit moment. Pas longtemps, mais bon, pas longtemps avec moi, je sais comment que ça fait, mais peu importe. J'y retourne un petit moment, mais pas longtemps. J'ai le père derrière qui me rappelle alors en me disant non, non, mais c'est bien, tu vas faire demain parce que demain il va faire jour et puis c'est tout. Mais c'est un peu triste de. Tu vois, de. Alors, c'est. Je sais pas si on peut appeler ça triste, mais. Je dis, c'est un peu triste d'en arriver à ce genre de choses-là. Juste parce que au bout, tu sais que plus t'en fais et plus tu te fais aligner. Et comme je dis, c'est pour ça que j'ai arrêté le bois, c'est pour ça que. Pour ça que j'ai arrêté le surplus. Tu t'aperçois que tu gagnes pareil en stoppant le bois. Bah c'est pas la peine d'y aller. Quoi. C'est pas la peine d'y aller du tout. Mais c'est triste. C'est triste, c'est triste. Je pense qu'il y en a quand même pas mal maintenant qui sont dans ce cas-là. Et alors, il n'y a plus guère de moniteurs que je connais. Ils sont encore à l'AMF du moment où j'y étais. Mais sinon, j'irais bien faire un tour à leur demander comment ils font pour encore motiver les élèves à s'installer. Parce que je pense que les maîtres de stage doivent pas s'en cacher de le dire à leurs stagiaires que sous le merde en fait. Et pas qu'en agriculture, c'est vrai que je parle de l'agriculture parce que c'est mon métier, mais c'est pour tout le monde pareil. T'as beaucoup d'agris qui vont dire aux jeunes que sous le merde, t'es taxé à 48%, il va falloir que tu sortes les doigts de l'anus et les 35 heures t'oublies. L'agriculture, ça aussi ses bons moments, mais il y a beaucoup de mauvais dans le sens où tu as beaucoup d'imprévus. Faut être sûr de ton coup avant de te lancer là-dedans parce que l'agriculture, c'est 24 heures sur 24. Dans le sens où tu t'arrêtes, j'en sais rien, à 7h30 après 13h par exemple, tu as une vache qui est malade à 2h du matin, bah, tu y vas. Et puis tu te poses pas de questions. Ou t'as une vache qui se barre sur la route à 23h et t'as les flics qui t'urlupinent parce qu'il y a une vache sur la route et qu'il y a quelqu'un qui a prévenu. Et ben tu vas pas dire aux flics, démerde-toi, bonne nuit, à demain, elle attendra demain. Non, tu changes de tenue puis tu repars. Et tu repars à la lampe de torche ou au portable à 23h pendant que ta nana est en live avec tes amis. Ah, ta nana te remplace pour son live et tes amis. Je dis ça parce que vous savez que ça a arrivé sur Fall Guys. Donc du coup voilà, tu peux pas. C'est un choix. C'est comme ça. Moi j'aime ça. Je sais que se relever à 2h du matin, c'est pas toute l'année. Les vaches, elles se barrent pas sur la route toute l'année non plus. Et en ce moment c'est pas les miennes, parce que je m'estime assez heureux parce que me relever pour courir après les bêtes des eaux, je m'en fiche, mais me relever pour courir après les eaux, ça me fait chier parce qu'après faut barrer, faut chercher le trou, faut barrer le lendemain. Si c'est une vache qui c'est une triante, nous les trois quarts des barrières sont barbelés pour les vaches laitières. Et je passerai bien en électrique sur secteur, mais comme je ne sais toujours pas ce que je vais faire quand mon père arrive à la retraite, ça sert à rien que je change les barrières maintenant si je reprends pas. Et donc du coup le lendemain, tu sais pas si la bête s'est esquintée le tyran ou pas, donc ça c'est chiant. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que, tandis que quand c'est pas les miennes, j'aide à rentrer, puis après bonne nuit, merci, au revoir, et je vais pas rebarrer quand même à ta place. Hein. Disons que je le fais, ça dépend pour qui, et ça dépend dans quelle situation. Je l'ai fait pour quelqu'un, pour l'ancien maître de stage de mon meilleur ami. On y a rentré Sagenis. Donc on a trouvé. Alors, on a rentré Sagenis, on a trouvé le trou pour lui, on a appelé, et la seule chose qu'il nous a répondu, même pas merci, il nous a dit, vous avez rebarré.
Mais si tu te fous de ma gueule là, tu veux pas la peau de mes couilles avec. Et du coup, la deuxième fois que ça arrivait, donc là, on l'a même pas appelé, on a rentré la genisse, c'était à la porte que c'était cassé, donc on n'a pas cherché longtemps, on a pris du barbelé et on a rebarré tout seul. Parce que j'ai dit sinon, tu l'appelles, il va encore te dire, viens rebarré, abruti. Et du coup, c'est un peu casse-couille quoi. Enfin, ça dépend comme c'est dit. Mais déjà, tu dis merci, on a rentré ta genisse. Et du genre, t'es vraiment coincé, ben. Est-ce qu'il y a moyen que tu remettes un fil, s'il te plaît, quoi. Il n'y a rien de très compliqué, ça s'appelle la politesse. Mais là, c'est. Vous avez rebarré, alors là, le truc m'est resté à travers la gorge, c'est terminé. Hein. C'est terminé, je déteste ça. Hein. Et du coup, bah là, il s'est rebarré depuis, mais je vais même pas courir après. J'ai dit, alors là, va chier. C'était bien. Tant pis. Les flics m'avaient appelé, je crois. Puisque dans le village de mon père, en fait, le seul agri fixe, c'est nous. Il y en a un deuxième, mais c'est des chevaux. Et les autres, en fait, habitent dans les autres villages. Donc du coup, il y a une genisse à lâcher, de lâcher, ou une vache, enfin, il y a une bête, quoi. Sur cette commune-là, le premier numéro qui ressort, c'est le mien. Donc, du coup, bah, voilà, hein, tu réponds, puis tu y vas. Et en fait, là, comment ça s'appelle, j'allais dire le standard, mais la brigade de Bezac m'avait appelé, m'avait expliqué le truc. Et en fait, par chance, la personne qui avait calé la genisse avait dit la couleur de la genisse. Et en gros, bah, c'était une couleur qui n'était pas à moi. Et je savais qui c'était. Elle a dit, vous appelez celui, nom, prénom, vous appelez celui-là. Et il habite à cet endroit-là et se démerde. Ah, point bon. Là, il va se faire enculer. Hein. Ah non. Je veux bien être gentil, rendre des services, mais prendre pour un toutou, ça va pas le faire. Mais ouais, c'est aussi ça la grille, c'est relever le soir, courir après ses animaux. Mais comme j'ai dit, il y a aussi des bons moments où moi, comme j'ai ma vache préférée, comme j'appelle, une vache que je sais pas comment je me suis démerdé, mais enfin depuis qu'elle est toute petite, elle sort du village où j'habite d'ailleurs, alors je l'ai su il y a pas longtemps. Donc un des agrès du village où j'habite, elle sort de là. Quand elle était petite. Et du coup, on l'a acheté. Donc, je l'ai caressé comme je caresse un peu tous les veaux en passage. Quand je passe à côté d'eux, je leur fais une caresse sur la tête tranquillement. Et puis, parce que c'est mon habitude. Parce que c'est mes animaux et j'aime mes animaux. Bon, enfin bref, peu importe. Et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, en fin de compte, c'est ma vache. Et elle est dans le champ, au milieu du champ, je me pointe au bord du champ, je l'appelle, elle vient tout de suite chercher sa caresse, comme d'habitude. Elle rentre le soir, au lieu de rentrer à l'écurie, elle s'arrête vers moi parce qu'elle veut sa caresse. Et puis ainsi de suite, et puis en fin de compte, j'arrive pas à m'en débarrasser. Elle me colle du coup, et c'est un peu chiant, mais j'aime bien. J'aime ça. Et c'est aussi pour ça que je fais un peu... métier là, quand même, c'est un minimum l'amour des animaux. J'aime beaucoup les animaux, ça vous le savez, j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais c'est mon truc. Et ça, comme je l'ai dit, hein, ça me fend assez souvent le cœur quand il y en a une qui part à l'abattoir, surtout. Enfin, à l'abattoir, non. À l'abattoir, ou comment il s'appelle le petit camion que tu payes pas, là. À l'écarisseur. Disons qu'il y a des bêtes qui me marquent plus que d'autres, mais il y en a celle qui s'est saignée toute seule dans la barrière. J'ai quand même tenu le trou bouché avec mes mains pendant une demi-heure de temps parce que monsieur le vétérinaire voulait pas bouger son cul plus vite. Ou alors il avait pas le choix et puis il est venu aussi vite qu'il pouvait, peu importe. Ça m'a fait du mal. Et l'autre d'après qui a fait la fièvre de lait, qui a claqué alors qu'on s'est fait chier pendant une semaine de temps à la relever tous les jours. La rééduquer, enfin voilà, on s'est cassé les couilles après ça, et puis là j'en ai pleuré tellement ça m'avait gavé. Mais il faut savoir faire la part des choses. Aimer tes animaux, pas avoir ça comme un billet, parce que c'est comme ça, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses, peu importe.
Mais faut aussi savoir ne pas trop s'y attacher non plus, parce que bah, quelque chose est vite, enfin, un incident est vite arrivé, c'est-à-dire une fièvre de lait, comme j'ai dit, ou bah, comme l'hôte, elle s'est saignée, ou j'en sais rien, moi, on ne peut jamais savoir ce qui est arrivé. Par contre, les moments où j'ai vraiment grave les boules, c'est quand. Alors maintenant, ça arrive plus. Mais les corps étrangers métalliques, genre. Canettes de soda, enfin voilà, tous des trucs comme des conneries comme ça que les gens jettent dans les parcs. Que j'ai une genisse ou une vache qui le ramasse et que j'en chie comme un voleur pour lui faire un traitement parce qu'il déteste ça. Enfin, un traitement, il faut y mettre un aimant, il faut le vito, il fait des piqûres. Enfin voilà, tout un tas de bordel quand il faut faire un tas de bordel comme ça. Puis qu'en fin de compte, la bête arrive pas à se remettre et qu'elle claque. Je peux vous garantir que j'ai les bouboules. Et je pense que j'aurai le gars en face, j'y ferai avaler son bout de ferraille et puis je le saignerai avec. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est un beau métier, mais c'est un métier qui est très compliqué. Sans parler de thunes. C'est un métier qui est très compliqué aussi. Mais aussi très joli. Mais ça peut être aussi très, très dur. Mais voilà, c'est un métier qu'il faut aimer. Et c'est avec passion que je vous en parle assez régulièrement. Une passion qui ne s'en va jamais. Qui normalement devrait pas s'en aller. Mais il y a des moments où c'est pas facile et puis il y a des moments où c'est bien sympa. Il y a des moments où justement tu passes des bons moments. Il y en a d'autres, t'en passes des moins bons. Et tu fais avec. Tu vois, faut y faire, hein, t'as pas le choix. Alors du coup, il nous reste la pointouille là. Que finalement j'ai blablaté. La cabane à chevaux là. Ben non, j'ai pas touché, arrête d'être bebeu. Et du coup, on est à 96%. Bon, je vais jusqu'au moment où il me dit tu peux y aller. Après, au revoir, merci. Putain, elle était longue, elle a mis 330 boules. Pourtant, j'ai une tondeuse qui est à peine plus large que l'autre et qui va beaucoup plus vite. Après, j'ai pas pu accélérer. Hein. Je suis resté bloqué à 4-5 tout le long. Parce que si tu vas plus vite, ça bourre et tu esquintes le moteur, n'est-ce pas? Du coup, un peu chaud. J'en profite pendant que j'y pense. Ce week-end, il y a la bêta d'Age of Empires 4 qui est disponible pour tout le monde. Elle est gratuite pour tout le monde. Pour ceux qui veulent tester ce jeu, enfin, ce futur jeu qui va sortir. Très bonne franchise, Age of Empires en règle générale. Là, j'avoue, pour en avoir vu quelques images avant de lancer cette vidéo. Un peu moins attiré par la vue aérienne que les derniers Age of Empires. Un peu space, enfin ça fait beaucoup plus moderne du coup, il faut le temps de s'y habituer. Mais le jeu est vraiment propre, même si ça manque d'optimisation encore, parce que c'est une bêta, il y a quelques trucs à revoir, mais globalement le jeu est ultra propre et il m'a l'air d'être bandant quand même. Pour ceux qui veulent le tester gratuitement ce week-end. C'est faisable et je ne sais pas quand ça s'arrêtera cette offre. Je suppose que ça doit être lundi dans la journée, je pense. Donc voilà, je dis ça au cas où, si toutefois il y en a parmi vous qui veulent essayer. Ça peut être cool. Du coup, 2%, enfin 1,5, 0,2, oula, plutôt. Ok, au revoir, merci, bonne journée, c'est terminé. Ou ça va, tu prends ton manteau, Justine, on s'en va. J'ai dû faire quelques touchettes. Putain, on est presque à 1 heure de vidéo, les mecs, c'est terrible. Je sais pas qu'elles prendront autant de temps. Impeccable, j'en peux plus. J'en ai plein le huc. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit 7 boules à 52 d'amande. Du coup, on arrive à 1328 boules. Donc, on a revenu vérif du sol 35 en plus, bonus de temps de vérif du sol 5 30, 89, my bad. Et bonus de temps de tonte 0,16. Donc, c'est pas mal. Bon, à part cette fois-ci les collisions comme d'habitude, mais ça, j'ai rien à faire. Avec celui-là, tracteur 32, je pourrais pas faire autrement, c'est pas possible. Ok, impeccable. Et ben, j'aime ça. On va faire une réparation. Comme d'habitude, on se retrouve à 5000 boules.
5302 boules exactement, et du coup on aura 295, 555, 635 et 410. On pourra peut-être celui-là, on l'a déjà fait, faire celui-là je pense au prochain coup. Ça on l'a déjà fait aussi je crois, ça je ne sais plus si on l'a fait, je suis pas sûr. Celui-là on fera peut-être, celui-là, un truc qu'on n'a pas fait, un truc qu'on a déjà fait la prochaine fois. Du coup, moi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée, et je vous dis à ce soir pour le live. Ciao.